Salut à toutes et à tous, c'est Akimoto 3500. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy XIV. Alors, c'est pas pour le let's play cette fois-ci. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo sur FF14. On est parti pour un événement. Square a fait une collaboration avec Capcom pour Monster Hunter World sur le jeu Monster Hunter World qui est sur PS4, Xbox One qui va arriver sur PC. Il faut chasser du Behemoth. Ici, il faut chasser le dragon, si je ne me trompe pas, c'est Rathalos de Monster Hunter. C'est arrivé aujourd'hui, c'était vers midi. Bon, moi, il est 14h42. Enfin, un petit peu tard, mais c'est pas grave. J'arrive le jour même. C'est déjà mieux que rien. Donc, bon, là, j'étais en train d'entrer une mage blanc. Mais on est parti pour le barde dans lequel on va réparer l'équipement. Alors, l'équipement que vous voyez là, c'est l'équipement 70 de barde. Après, qu'on est. Fait la quête de classe, la toute dernière. On récupère cet équipement qu'on peut améliorer en allant sur l'île Eureka. Je vais montrer où c'est. Je laisse le suspense. Bon, juste vite fait où c'est. Alors, déjà, l'événement il est à Kugane. Et comme on aura patrimoine à la base de Kugane, à chaque fois que je vais avec, je suis quelque part autre que Kugane et tout, j'utilise le rapatriement, ça va plus vite. Je sais pas s'il y a du monde qui fait le l'événement. Bon, je pense quand même l'événement à Talos. Et belle mamicotte. Ouais, c'est pour ça qu'en plus là, en modifiant. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh, ça farme Rika là. Oh, t'as un truc à donner, toi. Ah, ça doit être l'extension d'Erika. Non, non, va-t'en. Non, oust. Non, casse-toi. Non, je veux pas rejoindre Krill. Ouais, c'est ça, c'est la suite d'Erika. Pour améliorer. Voilà, hop, voilà, c'est bien. En fait, si vous voulez, quand on est à Erika. On augmente l'équipement, je vais le montrer là. Voilà, l'équipement monte à 350. Si, comme il y a la suite de Rekka maintenant, ça monte, si je me trompe pas, jusqu'à 370. Mais on va pas le faire maintenant, on va faire la quête. T'as le monde qu'il y a par contre. Ah, ça va farmer du Rekka là. Alors, pour faire l'événement de l'extension de FF, il faut premièrement faire Stormblood. Et avoir un personnage de niveau 70. Donc en clair plus simple. Pensez, oui bien sûr. Oui, oui, pas de. Monter un personnage au niveau 70. Et je passe par l'opposé. C'est par là. Et finir la quête Stormbloom. Après avoir battu un certain boss que je ne citerai pas. Mais c'est bien, je pars pas du tout à l'opposé, non? Bon, sachant que là, ça forme du Eureka, est-ce qu'il y a du monde sur la quête? Parce que c'est la vraie question. Il doit être au-dessus. Le mec qui se trompe. Kugane, c'est mon rapatriement. Je me paume à chaque fois. J'adore cette ville. Oh, mais il y a du monde là aussi. Alors ça. Alors les autres, ils auraient fait l'extension. Ils auraient fait l'événement avant. Oh, le peuple. Allô? Allô, monsieur, vous êtes où? Oh, monsieur. Ah, vous êtes là. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Alors, le chasseur de monstres est a une irrépressible envie de partir en mission. Mais pas de problème, partons en mission. Moi, je suis un chasseur de première, moi. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Mais d'ailleurs, qui vois-je? Ne serait-ce pas Kourmi, ma plus grande rivale? Oh, pardon. Toutes mes
toutes mes confuses. Oula, bizarre se dire comme ça, toutes mes confuses. Bon, je ne sais pas ce qui m'a pris de me comparer à une aventurière aussi renommée que toi. La folie des grandeurs, sûrement. Quant à moi, je suis le nom moins illustre forgeron itinérant. Lui, il chasse ses monstres à appel, et moi, je m'occupe de fabriquer des armes et des armures avec les matériaux qu'il récolte. On se complète à merveille, même si on commence un peu à pédaler dans la semoule. Enfin, je me comprends. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, mon gros, hein? Bref, ouvre bien tes esgourdes, Kurumi, car j'ai une info qui risque fort de t'intéresser. Ça fait un bail que je traîne mes guêtres du côté du tableau de chasse du clan. Centurion à Kogane, et l'autre jour, j'ai remarqué un contrat assez spécial. Tiens, jette un œil là-dessus. Oui, je regarde ma main. Ça veut dire... Oh! Ils ont vraiment pris le truc de Monster Hunter? Trop bien. Le monstre figurant sur le contrat de chasse est un oui. Verne rouge que vous n'avez jamais vu auparavant. Voilà qui est plus alléchant, pas vrai? D'ailleurs, le destinataire ne semble pas être le même que d'habitude. Tout comme l'écriture. Allez, je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Il se trouve que ce contrat ne provient pas du clan Centurion. J'ai fait ma petite enquête et j'ai vite compris que l'idée d'un autre groupe de chasseurs qui utiliserait leur tableau d'annonce ne les enchante guère. Tu penses bien que ça ne fait qu'attiser ma curiosité naturelle de chasseur de monstres. Mon instinct me dit qu'il s'agit là d'un gros gibier qui n'attend que d'être chassé. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Prête à partir à la recherche de cette belle bête inconnue? Moi, mon instinct me dit qu'il s'agit d'une arnaque pure et simple. Non, comptez sur moi, camarade chasseur. Je sais bien que tu ne pourras pas résister à l'appel de la traque. En clair, elle a pas dit, parce qu'on n'entend pas ce qu'elle dit et tout, elle fait juste des animations. En clair, elle a dit, on va péter du cul de WeWern. Voilà, c'est bon, comme ça c'est dit. Si on essaie de chasser cette proie chacun de son côté, histoire de voir lequel de nos deux est le meilleur, tu vas voir, on va bien se marrer. Comme je suis impartial, je vais te dire tout ce que je sais sur cette wyvern, afin que nous partions sur un pied d'égalité. Elle se nomme le Rathalos, et les chasseurs qui lui ont donné le surnom de roi des cieux, apparemment, on l'aurait récemment aperçu en train de survoler la steppe d'Azim. Ah, super! J'ai pas fait toutes les quêtes pour avoir les... pour pouvoir voler. Ouais, on va tout faire à patte. Par conséquent, je te conseille de commencer ton enquête au ralliement. Quant à moi, je vais prendre mon temps pour me préparer bien comme il faut et te montrer que c'est un vrai... Que c'est un vrai chasseur de monstres. Ah, ce qu'est un vrai chasseur de monstres. Ok, j'ai commencé la phrase, j'ai fait, mais elle n'a pas de sens. Ma personne qui croise les bras en mode attention. Ils sont. Quête acceptée. Oh là là, non, mais même le logo change, mais c'est trop stylé. Vraiment le truc à la Monster Hunter. Alors, allez hop, step d'Azim. Salut! Oh, tous les hauts faits, roi des cieux, roi des cieux. Alors, quand on fait le roi des cieux, on débloque des mascottes. On a des mascottes, des trucs, je crois, pour les maisons. De l'équipement. Un haut fait, comme vous voyez là. Et il y a aussi mode extrême. Ça veut dire que on fera le mode normal. Et on affrontera Rathalos. Et on fera le Rathalos en extrême. Donc, les deux, je ne connais pas les patterns. J'ai pas regardé de vidéos sur internet et tout, parce que là, il y a dû avoir des vidéos, des lives et tout qui ont dû sortir. Je n'ai regardé rien du tout. Donc, voilà. Alors, on va prendre. Oh, il est juste à côté. Un renier audacieux. Qu'as-tu à dire, toi? Allô, Laco? Une Wyvern rouge nommée Rathalos. J'ai vaguement entendu parler d'une Wyvern énorme qui aurait fait son nid quelque part dans la steppe d'Azim. À moins qu'il ne s'agisse que de racontard. Il paraîtrait également qu'un expert de la chasse au dragon en serait venu à bout il y a quelque temps de cela. En tout cas, cette histoire est vraie. Il ne sera pas revenu avant moi. L'Oronir, sans peur et sans reproche, peux pas se laisser dominer de la sorte. Je dois mettre au clair cette affaire, Rathalos, et le vaincre pour prouver ma valeur. C'est tellement beau! Bon, faut que je trouve les autres. Ok, il y en a un là-bas.
Ah les mecs, c'est à deux pas mais ils utilisent la monture, les mecs ils rigolent zéro. Le Rathalos, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, c'est le Wyvern rouge dont on m'a parlé l'autre jour. Elle a l'air sacrément effrayante. Je dis ça car Laura m'a appris son existence, tremblait comme une feuille, rien qu'à l'idée d'évoquer sa rencontre avec ce monstre. Lorsque lui et son Enag étaient en route pour vendre des marchandises aux aliments. Le vent soufflait très fort ce jour-là. Il n'y avait, on n'y voyait pas de deux fumes. Il avançait comme s'il pouvait quand tout à coup un cri strident retentit au-dessus des nuages. C'est alors qu'une immense Wyvern a plongé sur eux et a saisi le Ennag avec ses griffes pointues avant de retourner dans le ciel aussi rapidement qu'elle était descendue. Vous pensez bien que l'homme détalé s'en demandait son reste, mais quand il est rentré chez lui, les autres Aura l'ont accusé d'avoir tout inventé pour expliquer la disparition du Ennag. Ok. C'est encourageant. Est-ce que j'ai croisé la Wyvern rouge récemment? Vous en avez des bonnes, vous. Désolé, mais je suis venu ici pour affaires uniquement et je n'ai absolument pas de quoi vous parler. Les Wyvern et moi, ça fait deux. Même si je dois avouer que j'aime bien le rouge. What the fuck? Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance auprès des Kestir? Ils ne sont peut-être pas très loquaces, mais personne ne connaît mieux la région qu'eux. D'accord. J'adore les quêtes où faut parler aux autres. Le visage de Kestir a brusquement changé l'expression au moment où vous avez mentionné le Rathalos. Il semble être au courant de quelque chose. Le Kestir a pointé son doigt en direction de la plaine au sud-ouest. Se pourrait-il que la fameuse Wyvern rouge s'y trouve? Donc il faut aller au sud-ouest. Allez, c'est parti! Carbuncle! Oui, parce que j'ai la monture Carbuncle qui coûte super cher! Bon. On l'a pas. Je l'ai pas acheté de mon côté. On me l'a offert. Mais regardez-moi ça. On s'arrête là. Regardez-moi ces petites créatures. N'est-elle pas Mimi? N'est-elle pas toute choupie? Ce petit carbuncle. Le petit carbuncle de l'amour. Mais bon, on n'est pas là pour moquer un bunker. On est là pour buter du cul de Wyvern. Ok, on sait au moins où c'est. Oh, 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 il y a du monde. Oh, oh. Alors attention. C'est bon, je peux cliquer. En fait, il n'y a pas tant de monde que ça. Vous êtes arrivé à l'endroit désigné par le Kestir. Patientez un instant, le Rathalos est peut-être tout proche. Cinématique. Par contre, il fait nuit, ça craint. J'aurais préféré qu'il fasse jour. Ça serait tellement beau de jour. Et nous voyons des boucs. Comment s'appelle cette créature dans Monster Hunter? Je sais plus. On dirait bien que j'ai fini par tomber sur une chasseuse d'exception. Dis, tu ne serais pas venu chasser le Rathalos par le plus grand des hasards? Un chat qui parle, comment est-ce possible? Je suis une micote. Je suis coupé d'un chat et d'humain. Je parle. Ce n'est pas normal. Je devrais dire miaou. Chat qui parle. Comment est-ce possible? Ben quoi? Pourquoi chat te surprend autant? Après tout, tu ressembles pas mal à une chatte toi aussi. Oh, on se calme. Mais t'as raison. C'est juste chat? Ils ont pas un nom particulier? En fait, je ne suis pas encore présenté. Je suis un féline, apprenti chasseur. Ça fait un sacré moment que je suis à la trace du Rathalos. Mais cette salade tannée Wyvern est tellement balèze. Et moi, je ne suis qu'un pauvre petit féline qui ne pourrait jamais vaincre un tel monstre. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'aide d'une aventurière chevronnée comme toi. Rien que de penser au moment où le Rathalos fonce sur sa proie,
Pour la déchiqueter avec ses griffes me hérisse les poils. On ne la slame pas le roi des cieux pour rien. Chat, c'est sûr. Ah oui, n'oublie pas de faire très attention à son souffle enflammé. Cette créature n'est pas toute rouge sans raison. Je ne te cacherai pas que plus d'un chasseur a fini carbonisé en restant trop près de sa mâchoire. Ah. Ah, ce cri, c'est celui qui fait trembler de peur tant le chasseur, le ratelot, c'est tout près. Allô? J'ai pas entendu ton cri. Là, par contre, je l'ai entendu. Tout cas, c'est bien le fêlé, il a vraiment le bruit. La bouffe, elle est pour moi ce soir. C'est moi qui la régale. Il est sublime. Mais il est magnifique. Il s'en bat les steaks de moi. Allez, je me casse. J'ai ma bouffe pour ce soir. Eh, mais sérieux, mais il est sublime. En plus, le voir partir comme ça avec les étoiles, en fait, je le regrette pas vraiment de l'avoir vu de nuit. C'est lui, il est là, il a bien l'intention de nous dévorer tout cru. Chaoui, es-tu prête à risquer ta vie pour la gloire aventurière? De quoi fais-je, je vais peut-être partir. Oui, je te laisse, salut, je me casse. J'avais pas prévu ça. Génial, l'espace d'un instant, j'ai cru que tu allais prendre tes jambes à ton cou comme tant d'autres. Quelle chance de t'avoir rencontré. Et tu vois, pour ceux qui se barrent. Mais putain, mais reviens! Figure-toi que j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que le Rathalos avait fait son nid près des montagnes au nord-ouest. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route. Autant que j'y pense, c'est quoi ton nom? Cormi! Changette, dis donc, je m'en souviendrai. J'aurais pu m'appeler Cochonne et tout, je suis sûr que le mec il ferait Cochonne. Oh, mais ça en jette. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Et le temps de chargement. Carbuncle, viens à moi. Il faut aller où? Oh, c'est hyper loin, mais t'es sérieux? Pourquoi j'ai pas fait les quêtes ici? Twin, 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 twin. Petite anecdote par rapport à Kamekos, ça sert à rien. J'étais en train d'écouter la musique, le rythme allait avec le déplacement du Carbuncle. C'était. J'ai ça, j'ai fait, mais sérieux? C'est tellement synchro. La synchronisation. Et les cils de bas partout. Oh, j'aurais quand même tellement voulu le voir de jour. Mais de nuit, mais qu'est-ce qu'il est beau, quand même. Alors, faut savoir, pour ceux qui n'ont pas fait l'histoire principale, qui sont en train de faire Stormblood, c'est une map où il y a du. De toute façon, dans toutes les maps de Stormblood, il y a l'épopée, mais c'est là où il reste longtemps, quand même. Pas plus longtemps que les autres, mais à dire, c'était quand même longtemps dessus. Pour débloquer une monture qui a un énorme piaf pas super beau. Qui m'attaque? Vent, esquivé. Ha. Trois pites pour toi. Allez. Ah, mais je crois par contre aussi il faut un eye level de 320. C'est-à-dire un niveau d'objet. Qui est ici. Et en fait, il calcule moyennement tous les équipements qu'on a. Et avec l'équipement qu'on a, il calcule et en fait, ça fait qu'on est. Putain, j'ai une bague à 330, c'est tellement moche ça. Mon Dieu.
En fait, ce qui fait qu'on est à 350 par exemple. Oh le peuple! Waouh! Allô, je cherche le félin! Mais. J'aurais moyen de saloperie qui m'a attaqué. Ok, une énorme porte. C'est pas grave, tout va bien. Je cherche Féline. Féline! C'est bon, Féline est là. Coromi, le nid du Ratalo se situe dans cette chaîne de montagnes. Tu le trouveras quelque part, dans le coin à coup sûr. Moi, désolé, mais je crois que je ferais mieux de rester en dehors de toute cette histoire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour devenir un chasseur digne de ce nom, et mon manque d'expérience ne ferait que te gêner. Mais ça ne va pas dire que je vais simplement t'attendre ici les bras croisés, puisque je t'ai préparé un petit cadeau. Un petit cadeau. Tiens, c'est pour toi. Ce sont des méga potions, un breuvage qui a déjà sauvé la vie plus d'un chasseur de monstres. Je te garantis qu'elles te seront indispensables durant tout combat contre la grande wigwam rouge. Voilà, il ne te reste plus qu'à te préparer en bonne et due forme. D'ailleurs, tu vas avoir besoin si tu veux en venir à bout d'un monstre comme le Ratalos. Tu comptes former un groupe de combien d'aventuriers? Huit. Tiens donc, les chasseurs de monstres de ma contrée ne partagent jamais en mission à plus de 4. Il faut croire que les aventuriers sont plus partageurs. Ouais, en fait, non, je vais y aller tout seul. Je suis un génie. Pendant la chasse de Ratalos, vous pouvez utiliser l'action spéciale Méga Potion. Elle ne peut être utilisée qu'un nombre de fois limité, mais elle permet de régénérer une grande partie des points de vie. Servez-vous-en à bon escient. Une fois le Ratalos vaincu, vous pourrez également récupérer des objets spéciaux sur son cadavre. N'oubliez pas de l'examiner pour le dépecer avant de quitter l'instance. Oh, si un truc de chiffre aléatoire et tout, ça va être chiant. Je vais devoir le farmer comme un porc, ce truc. Bon, Ratalos. Ah oui! Allez! C'est parti pour attendre 100 ans! Attention! 11 minutes! Ouais! Ok, je fais quoi pendant 11 minutes? Bon. Le temps que ça arrive, parce que quand t'es d'épaisse, c'est juste un enfer pas possible. Le temps que j'arrive devant Ratalos, on va faire une ellipse. Voilà, une petite ellipse des familles. Et on se retrouvera au début du combat, à la cinématique de Ratalos. A tout de suite.